ces séparations-là, là, c'est que... Ça f*** ta semaine, hein? Déjà, à l'horaire, c'est contraignant. Parce que ça arrive toujours au pire moment. C'est toujours le pire timing. Y a pas une journée où on fait... Il me semble que ça donnerait qu'on se laisse sans souci. Y a pas ça. C'est toujours le pire timing. As-tu déjà défait un sapin de Noël tout seul en pleurant? Moins amusant qu'on pense. Moi, ça, c'est mon record, en fait, de pire timing. Et ça s'était passé comme ça, cette fois-là. Donc, j'étais là, en train de faire le sapin, tu sais, puis ça allait pas bien. Je me disais, c'est pas mon moment le plus glorieux. Mais je me suis dit, tu sais, j'essaie de rester positif. Je me suis dit, j'ai plein de chances dans la vie. Je vais aller à mon autre maison. J'en ai parlé, j'ai un chalet. Je me dis, fantastique, je vais aller là, tu sais. Fait que j'ai fait le sapin un peu. Hein. OK, je prends la route. Déjà, ça va mieux, tu sais. T'arrives là-bas, le grand air, ça fait du bien. Je rentre dans le chalet. Ouais, il y avait un deuxième sapin de Noël à défaire. Lui, il a mangé une Christie de volée, par exemple.